Amen, amen. Si nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour cette parole, la profondeur de sa parole. Wow. Quelqu'un peut dire simplement waouh. Wow. L'heure étant avancée, j'ai juste une parole de lui qui est dans Matthieu 6, 19. La parole de Dieu déclare: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne les détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimé, c'est que pasteur, l'apôtre, on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre. Gloire à Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir. Le Seigneur nous a donné deux apôtres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos deux apôtres? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, apôtre Paul, apôtre Yves? Est-ce que tu peux faire mes pas vers Dieu? Je crie de joie. Quelle grâce que le Seigneur nous fait. Waouh! Parce que nous sommes bâtis par les enseignements des apôtres. Quand Dieu t'envoie les apôtres, c'est pour que tu sois fondé et enraciné dans sa parole. Et pour t'emmener encore beaucoup plus haut dans sa grâce. Alors cette parole dit simplement, ne cherche pas à amasser des trésors sur la terre. Cherche à t'affectionner aux choses d'en haut. Il a dit ici, recherche la hauteur, les choses de hauteur. Il a parlé de la prière, recherche, cherche à aimer la prière. À aimer la présence de Dieu. Aime la prière. Aime la présence de Dieu. Cherche cela. Nous mettons des plateformes de manière à ce qu'il y ait plus de personnes qui aiment la présence de Dieu. Nous avons tous les matins l'offrande du matin, de 5h à 6h. Connecte-toi. Si tu ne peux pas être là en présentiel, connecte-toi sur Zoom. Parce que tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la présence de Dieu. Ce sont les choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Le trésor d'en haut. Parce que ces trésors-là, quand tu reçois cela, l'ennemi ne pourra pas venir prendre ça. Ça va rester. Recherche la parole. Recherche à aller en profondeur, à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons des temps d'enseignement, des temps où nous asseyons la parole. Le mercredi, la classe d'affermissement, la masterclass d'affermissement. Ce mercredi encore, ne vient. Il y a pasteur Serge qui arrive. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour pasteur Serge? Qui va venir nous challenger, nous parler sur la puissance du sacrifice dans le service. Nous en avons besoin. Et c'est tellement bon d'être dans cette famille où nous sommes construits, où le Seigneur nous bâtit. Pour terminer, je dis simplement, n'oublie pas que tout se passe dans le livre de commencement. Au commencement, Dieu. Après, Dieu créa la terre, le ciel et la terre. Après, la terre est devenue informe et vide. Informe et vide veut dire tout beau. Tout, c'est informe et vide. C'est beau. Et tu dois savoir que Dieu donne toujours la solution. Quand la terre est devenue à forme vide, il a dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors bien aimé, la solution que Dieu a donnée pour l'informe, c'est la parole. Et pour le vide, c'est sa présence.
bien-aimé. Parce que la parole de Dieu, quand tu vois ta vie, n'a plus de forme. Tu ne comprends plus ce qui se passe. C'est comme ça. Tu es en train de te poser des questions dans ta vie. Rien ne va. Recherche la parole de Dieu. Amen. Recherche la parole. Parce que c'est cette parole qui va te donner l'ordre, l'harmonie et la paix. Et quand tu rentres dans l'insatisfaction, tu ne sais plus, tu désires des choses, mais tu n'arrives pas. Quand tu es assoupi, il y a des choses, tu ne comprends plus de choses. Et tu te sens fatigué. C'est comme si tu n'arrives plus, tu es déçu sur beaucoup de choses. Recherche la présence de Dieu. Là, c'est le beau qui est l'œuvre. L'ennemi attaque par le beau. L'insatisfaction. Tu n'as plus le contentement. Recherche la présence de Dieu. La présence de Dieu. Viens prier. Viens dans la présence de Dieu. Et là, tu vas voir. Tu vas retrouver, connecté à Dieu. Et tu vas monter dans les hauteurs. Alors, bien-aimé, après ce que nous avons entendu, mettons en pratique cela. Dès cette semaine, sois connecté le matin. Si tu peux venir en présentiel, viens. Et sois là le mercredi pour asseoir tout ce que nous recevons afin de mettre cette parole en pratique. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Dis à ton frère, à ta soeur, je mettrai en pratique les paroles reçues aujourd'hui. Ah. Il ne veut pas te parler ou quoi? S'il ne veut pas te parler, s'il ne veut pas t'écouter, dis à l'autre. Amen, on est ensemble. Mais toi, tu dis, moi, je mettrai en pratique. Tu peux me dire encore, je mettrai en pratique tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Dès cette semaine, là, je vais voir l'offrande du matin remplie. Hein? Amen. Connecté ou en présentiel. Amen. Et le mercredi, soyons nombreux pour la masterclass d'affermissement avec Pasteur Saint. On se peut encore acclamer les seigneurs. Amen. Gloire à Dieu.